Très heureux d'être avec vous, comme je disais, un artiste invité dans nos murs. Bonsoir Famiki. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord, mais pourquoi le nom Famiki? Famiki, c'est un assemblage de plusieurs noms. D'accord. Le nom de mes différents camarades. Mm-hmm. C'est-à-dire F, H, A, M et Miki pour moi-même. Donc, ah d'accord, moi je pensais à la famille, hein, Famiki, pour faire genre Lingala ou... Oui, en réalité c'est... Toute une famille. Toute une famille. Toute une famille. C'est tout le monde en même temps. Famiki, dans Famiki, on a plusieurs personnes. Hein, tout le monde. D'accord. Alors Famiki, comment cette passion pour la rumba est venue? Bon, d'abord, il faut dire que depuis tout petit, mm-hmm. j'écoutais beaucoup la musique congolaise. D'accord. Depuis l'âge de 3 ans. Ok. Petit à petit, jusqu'à 2006, mm-hmm. j'ai un peu écouté l'album de Koffi Olomide. D'accord. En arabe et. J'ai compris, je cherchais une voix en fait. Mm-hmm. Et je ne savais pas qui chantait dans le fond, Cococo et tout ça. Après, mm-hmm. j'ai détecté, j'ai vu que c'était Dika Fally. D'accord. Qui chantait. Donc, automatiquement, j'ai épousé la voix de Dika. Mm-hmm. J'avais interprété quelques chansons de Mirage et autres. Mais aujourd'hui, j'ai gardé la voix. Mm-hmm. Donc, si je comprends bien, je veux dire, c'est. Fally Poupa qui t'a en fait amené à être passionné de la rumba. Oui, oui, bien sûr. D'accord, mais on est passionné et comment ça se fait que, je vais dire, dans cette passion, on passe, on va dire, du statut d'admirateur à chanteur de rumba. Bon, d'accord, et là, il faut dire que à force de regarder Fally danser et chanter, mm-hmm. il m'inspirait et j'avais essayé de danser aussi, d'apprendre à danser comme lui. Mm-hmm. Et au fur et à mesure du temps, j'interprétais des chansons de lui et c'est resté. Donc ça fait que partout où je passais, on m'appelait Fally, Fally, Fally et tout ça. D'accord. Alors Famiki, l'émission La Cour des Grands, déjà de par son nom, est une émission qui ne permet pas à n'importe qui, on va dire, d'être dans cette émission. Et donc parce qu'on a beaucoup de respect et de considération pour nos auditeurs, si on décide de te faire participer à cette émission, c'est parce qu'on a senti que tu as du potentiel. Mais là, nous sommes en train de parler, les auditeurs écoutent. Il va falloir maintenant leur convaincre avec déjà une improvisation. Et puis ensuite, je pense que derrière, il y a une chanson qui est sortie. Hein. Oui, oui. Une chanson dans laquelle on parle de quoi, là? Un single qui parle un peu du travail et de l'amour. Travail et amour. Travail et amour. D'accord. On va rappeler que Famiki n'est ni congolais, il est... Ivoirien. Il est ivoirien. D'accord. Mais yo, zo, le gars, ok, ok. Oui, Naloba. D'accord, donc je demandais s'il parlait un peu le Lingala, il m'a dit oui. Donc déjà là tout de suite, Acho va faire un petit acapella, une improvisation. D'accord. Et puis les auditeurs, j'y chante. Ok. C'est parti. Choga. Mikalelo, oh moninga, mikalelo e, oh moninga e, mikalelo, oh moninga e. Yuga ka na kwe miteli na yo. Ni tuko I tofu katamalo, ni tuko ponda na se kukine ma tukele. Les hommes ont un cher amour pour moi. Pour Soyo di bien na kende ko salanga musala pona yo na linga ko tala yo lelo nga chegie na linga la ko sala yo nga chegie ngana lelie oh ngana lelie oh bolinga motema nanga Ivoire TV,
bolingo mote mananga ivoa efeme Jean-Marie Mulato Yozab, garçon modéré, respect total au père Monsieur Zumba Kadioko. Mama Mounaye, oh Mama Mounaye, Mama Mouna Bakayoko, oh Mama Mounaye, Mama Mounaye, Mama Mouna. Yoko kope tango bezo kilenye, yoko pe tango koye mamona mamaye, yoko pe zangate bogo kanang mamaye. Non, il te rend. Chérif, Aziz Abdallah, joli. Yo, go, te ke go, benia tanga, ton momo. Na fumo, l'anako, chérif, ponanga, oh. Nalinga, mingi. Nalinga, mingi. Nalinga, yo, mingi. Nalinga, yo, mingi. Motema nanga seyo, motema nga seyo, motema nga seyo, dadi nanga fungola nga lolae, zambi nanga fungola lolae, zambi nanga fungola lolae. Yo toka nga zambi nanga na linga yo, donne ta vie complètement à toi. Je t'attends, je t'ai porté dans mon cœur. Je t'attrape, je te conduis devant le maire. Je te donne la vie, pas mon amour. Mama Mounaye, nalinga yo mingi. Mama Mounaye, nalinga yo mingi. Ni toko yo bonete a toboye. Bokoye botanga se bonanga chérie, yo kotanga to botanga mama ye, mama muna oh oh mama nangai, Baba Zumo nalinga yo mingi, Jean-Marie Mulato, mon Jean-Marie les garçons modérés, modération botanga la tanga la lelo. My name is El Campion del Mundo, El Champions Love, El Delisme, El Cap, Toutou Cap, celui qui adore les belles nanas avec des longues jambes un peu chargées, collées, serrées. On m'appelle Mopa au Petit Fali, El Campion del Mundo, El Champions Love, El Delisme, El Cap, Toutou Cap, celui qui adore les belles nanas avec des longues jambes un peu serrées. Yee! Yé pas cool, hein. Ah ouais. Là, il fallait que je me racle un peu la gorge, tout ça. Alors, famille qui en tout cas, une très très belle interprétation, j'allais dire, hein, improvisation. Là, c'est moi qui déjà donne mon avis. Alors, donc, je veux dire, c'est Fali. Hein. Pour toi, l'homme qui t'inspire, c'est Fali. Ouais. Fali Poupa. Oui, Fali Poupa. D'accord. Mais je veux dire, tu as bien fait aussi de ne pas garder le nom Petit Fali. Oui. Parce que après ça, il va falloir que tu aies ta propre identité. C'est ça. Voilà un peu. Alors, mais comment tu trouves l'évolution de la rumba en ce moment, je veux dire, sur le plan international? Comment bon, tu trouves? D'accord. Je vois que la rumba ne s'est pas seulement que limitée au pays. D'accord. Et on a vu des artistes congolais qui ont exporté la rumba dans pas mal de pays, dans le monde entier et même en Afrique. Donc vraiment, je vois que la rumba évolue et n'est pas seulement que cette musique traditionnelle qui, dans ce temps, était limitée au Congo. Mais aujourd'hui, elle a pu atteindre d'autres limites. D'accord. Mais dis-moi, est-ce que faire de la rumba est je veux dire, obligatoirement à chanter en lingala? On peut faire la rumba dans d'autres langues, non? Oui, on peut faire la rumba en français. D'accord. Donc, il y a des titres qui sont prévus en français? Oui, il y a des titres qui sont... Sur ton maxi-single? Oui, oui. Des titres qui sont prévus en français. D'accord. Il y en a combien, là? Deux titres, trois titres, normalement. Parce que je me sens beaucoup en chantant en lingala. D'accord. Voilà. Mais je veux dire, dans ce que tu dis en lingala, est-ce des paroles comme ça saccadées ou...
Il y a forcément une signification, je veux dire, correcte de ce que tu dis. Oui, il y a une signification correcte. D'accord. Mais il faut dire que je ne suis pas congolais. D'accord. Et donc tu te fais aider. Oui, j'ai appris à 40% la langue congolaise. D'accord. Et dans les débuts, ce n'était pas vraiment le lingala, mais avec le temps, j'ai eu à apprendre. Donc on va dire avant tu parlais le bangala. Oui, oui. Parce que le bangala, c'est le lingala que les Ivoiriens parlent en fait. Ça c'est vrai. Donc le faux lingala avec quelques mots, oui. Un mot lingala, mais qui ne donne pas véritablement le bon sens. Oui, oui. C'est cela en fait. Mais alors qui te coach en lingala? Est-ce une femme ou un homme? Parce que j'avais un tonton qui m'avait dit à l'époque que pour mieux parler la langue, le lingala, il faut forcément avoir à ses côtés une congolaise. Est-ce le cas? Non. Bon, c'est plutôt... un homme. D'accord. Et surtout un vieux. Ah, d'accord. Donc on va dire un doyen, Yaya, quoi. Un grand-père qui m'a appris à parler lingala. D'accord. En tout cas, ça va, nous on apprécie. Alors, donc on va permettre déjà à nos auditeurs de prendre connaissance avec cette chanson-là. Ça encore, c'est une improvisation, non? Oui, c'est une improvisation. D'accord, donc je veux dire, après toutes ces improvisations, il y a des chansons qui sont... Il y a des chansons qui sont écrites. Depuis 2011, il y a des chansons qui sont écrites, qui sont gardées. Et j'attendais le bon moment. D'accord, donc on va dire, cette année, c'est le bon moment. Par la grâce de Dieu. D'accord, donc on va écouter, permettre à nos auditeurs d'écouter. Je rappelle que l'artiste invité s'appelle Famiki. Voilà, donc il faut faire attention désormais à ce nom d'artiste-là, Famiki. Quand on finira l'interview, je vous dirai précisément d'où il vient et qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Donc on écoute Famiki. Mesdames et messieurs, Famiki. Qu'est-ce que tu as dit à la fin, la Famiki, quoi, là hein? Famiki Chris Igunda. Oh, danger. Famiki Chris Igunda. Alors, je rappelle que là, c'était une improvisation. Hein? Oui, oui. Donc, une improvisation histoire de, on va dire, permettre aux amoureux de la rumba de savoir un peu... Le style dans lequel tu évolues. D'accord. Alors donc, déjà, ça veut dire qu'on aura combien de titres dans le prochain maxi single qui sort? Maxi single, normalement, il y en a 4. 4, normalement. D'accord. On verra avec le temps comment travailler. Et tout ce qui viendra, c'est que de la rumba posée ou bien il y aura des sébènes, des chansons chaudes? Des sébènes à la fin. Des sébènes à la fin. À la fin, on verra bien. On verra. D'accord. On verra. Donc, je veux dire, en termes de production, c'est déjà bouclé, hein? Pas vraiment. Avec quel arrangeur? On attend. On cherche encore. Pour l'instant, nous n'avons pas décidé véritablement l'arrangeur, même pour un tel nom, afin que ça soit une surprise. D'accord. En tout cas, super cette belle interprétation. Ce que je vais faire, parce que là, nous, on a lancé le buzz. En fait, pas qu'on a lancé, on a été à la base, on va dire, de ce buzz-là inattendu. Parce que maman et Arafat étaient ici, Tina Glamour, donc à qui on a accordé une interview. Puisqu'elle avait besoin de s'exprimer, il y avait tellement de choses qu'on racontait sur la toile. Donc, elle a fait une déclaration et dans laquelle elle a fait pas mal de mises au point. D'accord. Donc, avec ça, il y a eu le buzz, tout. Donc là, j'ai des... C'est pas de la pub, hein, donc je parle déjà à ma DCM. J'ai des bonbons pectos pour toi, Kamiki, voilà. Donc, la base de ce buzz-là, tout le monde en parle, c'est Ivoire TV Musique, c'est Ivoire FM. Je pense qu'on aura le temps de se revoir dans une autre émission. D'accord. Avec certainement un guitariste, un pianiste. Et puis on attend évidemment le maxi-single là. D'accord. Mais je rappelle aux auditeurs que de temps en temps, Famiki sera là pour apporter un brin de soleil dans cette émission parce qu'il le mérite. Merci. Et puis, est-ce que je suis obligé de dévoiler, hein? Oui. D'accord. Donc je rappelle que Famiki... Famiki... Famille qui travaille à Ivoire TV Musique. Voilà, donc il est au service commercial. Oui. Ici, on l'appelle Andy. Oui. Donc, Mike Andy, Michel Andy. Oui. Il est au service commercial du groupe Ivoire, donc Ivoire TV, Ivoire FM. Et donc, il a un talent caché que nous dévoilons aujourd'hui. Donc, si le boss écoute, ben, c'est Andy qui vient de faire ça. Si DCM écoute, c'est Andy qui vient de faire ça. Si Stéphane écoute, Anaconda, c'est Andy. Hein, le même Andy que vous connaissez, c'est lui qui vient de faire ça. Pour vous dire qu'on a des talents ici. Et puis, on te souhaite plein de succès, en tout cas, dans cette nouvelle carrière. Amen. Que tu entames. Amen. Et puis, on est ensemble. Amen. D'accord. Là, je te dis au revoir avec un chanteur, il est ivoirien. On l'appelle le bananier du désert. Il fait de la rumba, mais en baoulé. D'accord. D'accord. Donc, écoute ça.